Je suis Fabien de la Guilla, responsable du pôle enfance au centre social de Villeneuve-les-Salines. Donc, actuellement, après cette période de confinement, il y a des choses qui ont été modifiées. Jusqu'à présent, on faisait un accueil périscolaire le matin et le soir. Avant et après l'école, on accueillait les enfants sur la voisine. Et aujourd'hui, donc, on a changé notre organisation. On accueille directement sur place dans les écoles. Voilà. Donc, on est sur place à Condorcet, on est sur place à la voisine. Et on est sur place à Barthélemy-Profit. Chaque enfant, en fait, a un kit de matériel pédagogique pour la création d'activités manuelles. Donc, par exemple, on a ce kit-là avec des feutres, des ciseaux, des perles, des scooby-doo, voilà, pour le côté un peu manuel. Et aussi, on a créé des kits sur le plan sportif pour que les enfants puissent avoir leur propre jeu en extérieur. En fait, ce confinement, il ne faut pas oublier surtout la partie épanouissement de l'enfant. Donc, voilà, on a réfléchi à comment favoriser l'épanouissement de l'enfant à travers un protocole et une partie réglementation qui est propre à la structure. Que maman elle voulait que je retrouve mes copains et que je manquais. Pour les manquer parce que j'adore travailler. Mais c'est mieux quand même à l'école. Oui. Et quoi d'autre encore? Oui, Sarah Maya? Ça me manque. Ça m'est très vraiment... Voilà, tous les jours on a un petit livret. Hein, Dilali? Et qu'est-ce qu'on fait dedans? Travail. Alors quoi comme travail? Éditer. Vous faites des dictées, oui, c'est vrai. De la lecture. On fait aussi des concours. Des concours de quoi? Des concours de. Écriture. Écriture, lecture. Et vitesse. Des vitesses de. De lecture. De lecture. Écriture. Les maths. On fait quoi en maths? Des calculs. Des exercices. Et après? Hier, on n'a pas fait parce qu'il faisait trop chaud, mais on ne fait pas dehors. Avec les copains d'à côté. Ah, ça dit, Dylan, tu mets où? Et de la course. Cache-cache. Et puis, j'ai vu que tu en as qui jouaient. Hein. On a du soleil. On a du soleil. Et je cache des outils. Super. Ok. Ça passe très bien, que les copains ont été très contents de revenir à l'école. Que, effectivement, c'est un peu différent d'habitude. On ne fait plus les ateliers, on travaille chacun à sa place. Mais que c'est quand même une bonne ambiance et que les enfants sont contents de pouvoir revoir les copains et la maîtresse. Eh bien, merci. Dominique Meunier, responsable de la pause méridienne à l'école Lavoisier. Les conditions d'accueil sont très favorables. Les repas sont équilibrés et de qualité. L'équipe d'animation est disponible et à l'écoute des enfants afin qu'ils passent un moment agréable.